Voilà, alors le but de l'exercice est de supprimer les cheveux du modèle. C'est donc valable sur une photo avec un modèle ayant des cheveux droits. Et en l'occurrence, là, sur un fond noir et blanc, ça va très bien passer. Alors on prend l'outil plume et on détourne en restant à l'intérieur du modèle. Vu qu'on y mettra après un contour progressif. Et dois-je geler un peu? Alors on va profiter de la courbure de l'outil pour le délimiter le crâne du modèle. Ferme. Alors on double le calque, on fait une copie, on définit une sélection, voilà, et on applique le masque. Juste en dessous, on va donc mettre le dégradé. Alors on pique une couleur du bord, après le fond. Avec la pipette, la couleur de devant, une couleur plus claire. On prend dégradé radial. Voilà, bon, alors on va essayer de faire au mieux. Bon, pour ça, on peut le transformer. Agrandir, déplacer, tout faire, donc on en profite. On va essayer de se rapprocher le plus possible, bien que ça n'ait pas une grande importance. Mais bon. Un peu de lumière derrière. Pas trop mal. Au niveau du bras à gauche. Alors on prend un pinceau. En 3%. Pinceau doux. Et on peint en noir. Voilà, on y est. Maintenant, on va améliorer le masque sur le modèle. Un petit contour progressif, 3%, quelque chose comme ça. Et le décalage du contour, plus 80, pour faire un petit dégradé bien sympa, déjà moins brut. Et on va améliorer ça maintenant. Avec un petit brush. À 50% d'opacité. On va peindre en blanc pour révéler les petits cheveux.
ça fasse moins uniforme. Si on dépasse, on appuie sur X pour peindre en noir, on cache. On finira après. Donc là, au niveau de l'épaule, on révèle un peu les cheveux. On peaufinera un peu plus tard. On va faire la jonction aussi ici. On rajoute un petit calque au-dessus et puis on va peindre des cheveux. Pour peindre les cheveux, on prend un brush le plus fin possible de 1 pixel et on pique la couleur des cheveux qui est à côté et on peint. On fait des traits. Là, on repeint un peu de gris. Alors, pour que ce soit réaliste, il faudrait, dans l'idéal, avoir trois coloris, trois couleurs de gris, trois couleurs de cheveux, des opacités différentes. Bon, là, on ne les voit pas bien encore. On mettra en plus noir après. Sinon, ça a l'air trop synthétique. Là, un peu plus noir. Et là, le principe, c'est de finir les cheveux qui ont l'air d'être coupés dans le vide. Ben, on les reprend. On les refabrique. Là, on travaille à 200% de zoom, donc, mais à 100%, on verra plus rien. Là, on va supprimer les petits cheveux qui semblent sortir de nulle part. Alors, je fais juste une sélection au-dessus. CTRL-C, CTRL-V. Et CTRL-T, et je la baisse un peu. Voilà. Peut éclaircir le fond avec un brush à 7%. On va peindre en blanc un peu sur l'épaule. Le avant-après est presque identique. Bon, et pour peaufiner, on va rajouter 2-3 cheveux là. Ça fait un peu plus réaliste. Alors là aussi, on a 100% avec un brush de 1 pixel.
du noir ou du gris très foncé. Voilà, puis là on peut s'amuser, bon, on va s'arrêter là. Bon, ça c'est valable uniquement sur un fond comme ça en dégradé. Voilà.